Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve sur American Truck Simulator. Ça a bugué. Donc, American Truck Simulator qui n'est pas encore sorti. Qui sort dans 2 jours. Enfin, je pense que pour vous. Enfin, je sais pas quand je vais l'upload la vidéo. Je pense que ça sera dans 1 jour. Du coup, bah voilà, ça sera dans 2 jours. Donc il était possible de le précommander pour l'avoir donc hier ou avant-hier, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Enfin, quand la vidéo va être postée surtout. Donc là, je précise, on est dimanche. Voilà, pour ceux qui ça vraiment intéresse le temps. Vous avez un nouveau message. Oui. Et c'est quoi? Ok, le truc s'en fout. Donc, vous dites pourquoi on commence pas depuis le début? Enfin, avec la petite livraison et tout. Parce que ça fait 3 fois que je recommence. La première fois, la vidéo avait bugué au bout de 10 minutes. La deuxième fois, la vidéo devait faire 20 minutes. Et elle en faisait 15. Donc, finalement, j'ai craqué et j'ai décidé de l'enregistrer sur mon disque dur qui bug. Donc du coup les deux lacs que vous venez de voir, c'est à cause de ça. Donc j'en suis désolé, mais bon voilà, je fais avec les moyens du bord. Donc je suis aussi désolé que le jeu est très 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 moche et qu'il ne tourne pas à beaucoup des fesses. Là je suis à 15 fps. Je suis désolé pour vous, ça doit pas être très regardable, mais bon, moi je m'y suis habitué. Donc voilà. Donc je disais, donc American Truck Simulator qui sort dans 2 jours. Donc c'est vraiment un bon jeu, là j'ai pu le tester deux petites heures. C'est vraiment Euro Truck Simulator 2 en tuné, en gros, si on peut appeler ça tuné. Enfin avec un skin américain qui est vraiment très joli, qui est vraiment très très classe. Et là même un truc en plus de Euro Truck Simulator, donc enfin là deux petits trucs de... Enfin, à quelques modifications, mais le truc en plus, c'est vraiment la vie autour. Il a vraiment beaucoup plus de vie. Genre, tout à l'heure, il avait quelqu'un qui nettoyait les vitres. Enfin, on le voyait vraiment beaucoup. Du coup, enfin, il a vraiment beaucoup plus de vie que dans Euro Truck Simulator 2. Oui, le gars Euro Truck. Je peux pas dire que le raccourci Simulator 2, voilà, le gars tout de suite. Oh putain, il faut freiner. Tout à l'heure, je me suis fait feinter, je suis passé à fond. Pauvre boîte de vitesse. Voilà. Donc, ouais, un train. Vous voyez l'animation, juste pour ça, quoi. Juste pour ça. C'est une honte. C'est un scandale, monsieur. Donc, je suis désolé pour s'il y a un petit peu de bruit de fond dans le micro. Enfin, je pense que j'arriverai à le supprimer au montage. C'est juste le ventilo de mon PC qui fait un boucan d'enfer. Donc je précise, quel est mon matériel là pour jouer? Donc un écran, voilà. Non, donc un G27 que j'ai eu d'occasion, qui fonctionne très bien avec American Truck Simulator et Euro Truck Simulator d'ailleurs. Et c'est vraiment nickel pour jouer là, on peut jouer avec une grande précision. Voilà, donc si vous voulez voir la tête qu'il a, ben, allez sur Google, hein, G27, où je vous montrerai peut-être une petite image dans le coin. Voilà. Sinon, le jeu est magnifique au niveau des environnements. Vous voyez, rien que là, c'est magnifique. Vous savez quoi? Je vais faire un screenshot. J'ai fait pas mal de screenshots tout à l'heure. Je pense que je vous le montrerai dans la vidéo. Hop, regardez-moi ça. Bon, la putain de barrière qui dégage tout. Mais franchement, les environnements sont très beaux. Genre dans Euro Truck Simulator 2, on pouvait un peu se blaser des décors. Parce que en fait, c'est un peu tout le temps le même décor en gros. Hein. Oula, je roule pas droit. Donc, forcément, qu'on y a joué plus de 3 jours. Enfin, plus de je sais pas combien de temps. Hein, plus de plusieurs milliers d'heures. Si c'est possible. On commence un peu à se lasser des paysages, mais dans American Truck on peut pas se lasser, c'est jamais le même. Voilà, c'est vraiment jamais le même. Voilà, un coup on est dans le désert, un coup on est en ville, un coup on est dans la forêt. Enfin, c'est vraiment les États-Unis en fait. Les États-Unis, ça ressemble un peu à ça. Ça change beaucoup. Hop, on va repasser en 13e, 10e, et on va tourner pas tranquillement parce que je viens de passer. Enfin, si on fait tranquillement,
enfin j'ai n'importe quoi. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression, enfin ça fait un petit moment là que j'y joue, ça fait quelques heures, et j'ai l'impression que les camions se retournent moins, voilà, qui sont beaucoup plus stables que dans Euro Truck Simulator 2. Donc c'est peut-être un bug, c'est peut-être les camions américains qui ont une plus grande garde au sol, qui n'est pas impossible, qui du coup tiennent mieux, je sais pas, je sais vraiment pas. En tout cas, c'est vraiment le meilleur jeu que j'ai pu tester en jeu de camion. Enfin, en fait, Euro Truck et American Truck Simulator, en fait, c'est vraiment les deux mêmes. Sauf que American Truck Simulator, ça se passe en Amérique, et que Euro Truck Simulator, ça se passe dans l'Europe. Donc voilà, donc pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Donc là, j'ai le pack, donc j'ai pas le jeu, enfin, j'ai le jeu complet, justement, avec le pack donc le pack complet, donc enfin j'ai la version gold en gros du jeu, en fait, où il y a le Nevada et l'Arizona en plus, je crois, si je dis pas de bêtises, qui, enfin voilà quoi, c'est vraiment le jeu, il est super bien, voilà. Donc je prévois de l'acheter parce que je l'ai craqué, mais c'est juste pour l'essayer, en fait. Après je l'achèterai, oui. S'il a quelqu'un qui, voilà, hein, si ça intéresse quelqu'un, voilà, je jetterai après. Et j'en suis sûr et certain parce que ce jeu est vraiment extraordinaire. En gros, mes jeux, je les craque. Ensuite, s'il me plaît pas, bah, je supprime de mon ordi. Et s'il me plaît vraiment et que bah, j'ai les sous, je me l'achète dès que je peux, quoi. Voilà, je m'achète dès que je peux retrouver. Parce que c'est quand même mieux qu'avoir le crack, quoi. Voilà. Donc si cette vidéo fait le buzz, clairement, par rapport à ma chaîne, c'est normal, c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup de vidéos dessus, hein, il n'est pas encore sorti, donc forcément, c'est un peu normal qu'il n'y ait pas de vidéos dessus. S'il en a quelques-unes qui ne sont pas françaises, je connais un youtubeur qui fait de très bonnes vidéos, qui s'appelle Galax, bon, si ça vous intéresse, allez voir sur internet. Voilà, petit coucou à toi. qui fait de très belles vidéos sur ETS2, qui fait aussi des vidéos sur American Truck Simulator. Voilà, donc il a fait une vidéo sur American Truck Simulator. Enfin, c'est pas du tout pour ça que je fais une vidéo là, hein. C'est juste que voilà, je vous le dis. Et donc voilà quoi, mais c'est cette vitesse, 1000$. Putain, t'es sérieux? Oui, donc j'oublie un truc dans le jeu. Les amendes sont très 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 cher. Ça se termine comme ça. Ouh, ça monte, ça monte. Est-ce que ça monte? Oh, mais l'autre il freine en plein milieu de la route. Non, je vais pas réussir à redémarrer. Voilà. Il m'a coincé. Bravo, bravo. Bon, d'accord, je peux plus démarrer. Ben voilà, ben voilà. Mais il a tout gagné, mais il a tout gagné. Voilà, c'est bon, j'ai regardé ma main en jouant un peu avec l'embrayage. Ouh, vas-y, vas-y, vas-y. Oh, c'est bon. Putain, mais il s'arrête toutes les 30 secondes, ces cons-là. Enfin, en même temps, ils vont peut-être pas se faire écraser par une autre voiture. Oh, putain, tu pars pas, toi. Putain, je suis en train de jouer. En fait, là, je suis en train... En fait, j'ai ma grosse douille. Enfin, non, s'il a désordonné... Enfin, si c'est pas désordonné... Qui me regarde, il comprendra ou pas. Enfin, mon doigt de pied, quoi. Comment joue entre le frein et l'accélérateur. C'est waouh, quoi. C'est. J'étais en train de jouer là avec mes pieds là. Voilà, donc 13e, et je roule à fond, et voilà, et pouf et pif. Donc j'espère que pour une fois ça va pas bugger l'enregistrement. Je le supplie. Donc là, vous voyez, là on est dans un autre désert sur l'autoroute. Ouais, c'est vraiment magnifique. Voilà. Donc ce jeu est vraiment très complet aussi. Enfin, pour un jeu qui vient de... Non, qui est même pas encore sorti derrière. Bon, il a pris vraiment les bases de Euro Truck Simulator 2. En gros, c'est une mise à jour vers... J'étais un peu, enfin pas vulgaire, mais j'étais un peu horrible sur le travail des développeurs parce qu'il est quand même extraordinaire. Ah oui, ça j'ai eu tout à l'heure, ça me coûte la blinde si je m'arrête pas. Qu'est-ce que c'est? Poste de pesée service bypass. Ah d'accord, il faut que je me pèse ici. D'accord, parce que la première fois j'avais pas compris du tout le délire. D'accord, donc en fait il faut que je pèse le camion. D'accord, bon bah un truc en plus de Euro Truck, hein.
Ça, c'est génial. D'accord, donc la prochaine fois, je saurai ce que c'est. Voilà, c'est bon. On est OK pour la peser. Voilà, c'est passé en vert. Voilà. D'accord, donc en fait, la première fois, j'avais pas compris. J'ai une amende de 700$ comme ça qui est sortie. Et imagine, on n'a pas de sous. Voilà, donc une amende d'excès de vitesse de 800$. Déjà, là, t'es plié. Bon, tu. Qu'est-ce que tu prends là avec ta caisse, toi? C'est bien que je sors, mais non, quoi d'autre, rien à foutre. Non, donc je disais, donc ouais, tout à l'heure, enfin, imaginez, on n'a pas une thune. Là, j'aurais eu 1000$ de dette. Enfin, non, j'aurais eu 1000$ d'amende. Puis ensuite, 700$, quoi. Donc, bon, j'ai pas évité les 1000$ d'excès de vitesse. Par contre, j'ai évité les 700$ d'amende pour la pesée du véhicule. Voilà. On va se mettre en 15e. Donc, ce jeu est vraiment cool. Bon, les amendes sont plus chères. Mais en fait, en gros, c'est une mise à jour de Road Truck. Donc, je reprends ce que je disais tout à l'heure. En gros, c'est une mise à jour de Road Truck Simulator 2 avec un skin américain. Voilà, enfin une bonne grosse mise à jour quand même, parce que j'ai vraiment pas mal de trucs en plus. Genre là, l'histoire de la pesée et tout, dans Euro Truck, s'y était pas. Bon, il y en a peut-être pas non plus en France, enfin en Europe, mais franchement, ouais, le jeu est beaucoup plus complet quand même. Mais moi, j'ai encore la sensation de jouer à Euro Truck Simulator 2 avec un skin américain. Après, c'est juste ma sensation, hein. C'est pas impossible que je dise de grosses conneries. Mais moi, c'est ma sensation. Là, j'ai l'impression de jouer à ETS 2 avec un skin américain. Voilà quoi. Bon, même si j'étais ultra pressé et content de voir la sortie, je suis pas du tout déçu du résultat. Hein, c'est bon, ça se voit quand même que les développeurs ont bossé dessus quoi. Mais bon, le jeu a quand même pris 2 ans de retard hein, pour sortir. Et donc voilà. Bon, après, ils ont peut-être pas eu l'idée. Ils n'ont peut-être pas eu d'idée tout de suite, mais je trouve que les 2 ans sont pas justifiés non plus. Même si je suis pas du tout déçu. Franchement, je trouve que le jeu est super. Mais je bon, après, ils ont peut-être refait complètement le jeu. Hein. C'est peut-être ça qui leur a pris du temps. Hein. Mais franchement, les 2 ans d'attente, en plus, je trouve que c'est pas hyper justifié, quoi. Après, c'est juste mon avis personnel. Hein. Donc j'ai compris tout à l'heure que là j'avais le droit de passer si je tournais là. Voilà. Parce que le feu est vert à côté. Donc là, ça doit être dans le coin. Dans le coin. Je suis tellement drôle. Attention, on tourne. Hop, donc voilà, les camions sont beaucoup plus stables que dans un retrait. J'aurais fait ça dans un retrait, je serais mort. Putain, je vais mort en 12e, j'en ai rien à foutre. Voilà. Oula. Donc là, on peut choisir entre se garer durement, voilà, avoir du mal à se garer mais avoir plus de points d'XP, donc en jouant la sécurité ou passer. Donc nous, on va jouer en sécurité parce que je suis une teub quand je me gare. Enfin, déjà, je conduis pas très bien. Alors si en plus je dois me garer complexe, voilà, qui était, voilà, télège de l'air et meurque. Bon travail, ouais, je sais, j'ai peut-être eu un petit bug. Ouais, bon, voilà. Donc là, en gros, les 15 XP que j'ai gagné, je les ai perdus. Donc j'ai gagné 1 point d'XP. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo sur American Truck Simulator. Et à bientôt. Na 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 na